Good morning, Aleiden Letus, aujourd'hui le Nishmat Mahlouf Micha Ben Masouda Rachel Batu Chaved, Rivka Bat Levi Yitzhak Edov Ben Yudit, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions aujourd'hui Maserhet Kinim, Perek Gimel Mishnah Hei, l'avant-dernière Mishnah du Seder Kochim Bezrat Hashem, Khatat Shinit Arva Bechova, En Kasher Ela Minyan Khatat Shebechova. Chova Shnaim. Bechatat, Mertza Kasher ou Mertza Pasoul. Vechatat, Shnaim Bechova, Aminyan Shebachova Kasher. Vechen Ola Shinitarva Bechatat, Shinitarva Bechova, En Kasher El Aminyan Olot Shebechova, Chova Shnaim Beola, Mertza Kasher ou Mertza Pasoul, Ola Shnaim Bechova, Aminyan Shebachova Kasher. Bon, j'avais dit dans la Mishnah précédente que le Tiferet Israël allonge énormément sur cette Mishnah, et je vous garantis qu'il y a de quoi. C'est une Mishnah vraiment difficile à comprendre les mots et à interpréter. Et en fait, plutôt, je ne vais pas vous faire peur, parce que d'abord, les principes, vous les connaissez, et ça ne changera rien ce que vous connaissez. Si vous avez compris tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, et bien vous êtes capable de faire les nouvelles combinaisons qu'on pourrait rencontrer dans n'importe quel cas de figure, et trancher. Le problème, il est que dans cette Mishnah, il y a écrit des choses qui ne correspondent pas tellement à ce qu'on a appris. Donc du coup, chaque Mefarej va venir et va jouer des coudes pour essayer de, tant bien que mal, donner une allure à ce qui est écrit, pour pouvoir donner un certain sens. Personnellement, ça fait plus de 2h30 que je me suis assis pour préparer cette Mishnah, je me suis endormi dessus, je me suis réveillé, j'ai fait les allers-retours chez moi à la maison, et j'ai tant bien que mal compris un pirouche qui se tient debout parfaitement, et qui en fait, le Gaon de Vilna, il le rapporte. C'est le pirouche de Rabbeinu Avraham, rapporté dans le Tosot Yom Tov. Et on va se fonder que sur ça. Le problème, on commence directement. D'abord, tout d'abord, on fait un premier rappel du Perek Rishon, c'est la première phrase de la Mishnah. Le Bartano, regardez, il rapporte. Ad et Taninan Leel, le Perek Kama. Dans le premier Perek, dans le Mishnah Bet, on avait déjà pris une phrase. Maintenant, on va prendre cette phrase, on va mettre le zoom. Pour rappel, dans le troisième Perek de Maserhet Kinim, on parle cette fois-ci d'un Kohen qui ne vient pas se concerter, mais qui prend des initiatives tout seul. Donc du coup, il prend des initiatives. Quel type d'initiative il va prendre? Ben là, on va tomber devant un Kohen qui est assez farfelu, qui fait un peu ce qu'il veut dans la vie. Mais on commence d'abord avec le premier rappel. Khatat Shinit Arva Bechova. Une khatat, ou même plusieurs khatat, qui se mélangent dans des chova, c'est-à-dire dans des paires d'oiseaux indéfinis. En kasher ela minyan khatat shebechova. Il n'y aura de kasher d'apte à offrir en korban, a priori, s'il venait se concerter, que le nombre de khatat qu'il y a dans les oiseaux indéfinis. Et on prend d'abord un petit exemple, comme ça nous fait commencer en douceur. C'est très simple. Tu avais même par exemple trois oiseaux khatat définis qui se sont mélangés avec 5 paires d'oiseaux indéfinis. Vous vous rappelez, c'est quoi une paire d'oiseaux indéfinis quand même depuis le temps? Ça veut dire qu'en fait, tu dois apporter 5 fois une femme qui a couché 5 reprises, elle n'a pas encore d'apporter ses corbanotes. Elle va et l'achète, maintenant d'un coup, elle achète 10 oiseaux, 5 paires indéfinis. Elle va les amener au Cohen, elle va dire au Cohen, non, tu décides qu'est-ce que tu veux en khatat. Il va pouvoir décider. Donc dans ces 10 oiseaux, il y en a 5 khatat, 5 hola, pour le moment indéfini, il peut décider ce qu'il veut. Il y a eu des khatat qui se sont mélangés en eux, entre parenthèses, aussi un truc important. On va expliquer la Mishnah. Imaginez que tout ce que je dis en khatat, vous pouvez tout remplacer les mots que je dis avec Ola et Ola en khatat, et ce sera la deuxième partie de la Mishnah, d'accord? Donc quand on fera la deuxième partie de la Mishnah, ça ira beaucoup plus vite. Vous avez remarqué, quand on a lu la Mishnah, les mêmes mots exactement, sauf que vous substituez le mot khatat avec Ola à chaque fois, et on a la deuxième partie de la Mishnah. Donc maintenant, je reviens maintenant sur la Mishnah, sur la première partie. On a des, donc, par exemple, je sais plus ce que j'ai dit, 3 khatat qui sont mélangés avec 5 paires d'oiseaux. Ouais, donc on a en tout maintenant 13 oiseaux devant nous. Qu'est-ce qu'on doit offrir? Les khatrila, si le Kohen venait se concerter avec nous, qu'est-ce qu'on lui dirait? Tu lui dis, ben tu lui dis, écoute, tu ne pourras offrir que l'espèce mélangée, c'est khatat. Le nombre de khatat qu'il y a dans les indéfinis, c'est 5, tu pourras offrir que 5 khatat, et pas plus. D'accord? Pour quelle raison? C'est très simple. Tu prends un oiseau, de deux choses l'une, il est khatat, parce que soit il appartient du premier des 3 qui sont mélangés, soit il appartient au 10. Et tu le désignes en ce moment khatat. 1, 2, 3, 4, 5. Jusque-là, ça va. Tu vas prendre un sixième oiseau, tu ne pourras plus dire de deux choses l'une. Parce que peut-être qu'il est khatat. Parce qu'en ce moment, tu es en train de piocher
Le premier qui s'est mélangé, ceux du premier groupe qui s'est mélangé. Mais peut-être qu'il est aussi Ola, parce que les cinq premiers que tu as désignés Khatat, ils étaient Khatat du deuxième groupe des 10, et puis maintenant tu es en train d'attraper le sixième, et lui il est Ola, et donc tu ne pourras plus le faire en Khatat, et tu ne pourras plus le faire en Ola, tu es bloqué, a priori, tu ne pourras offrir que Minyan Khatat Shebechova. Le nombre de Khatat qu'il y a dans les indéfinis. D'accord? Dans les paires d'indéfinis. Dans les paires indéfinis. Ok? C'est clair la donnée? Très bien. Nouveau cap maintenant, c'est on parle Chova Shnaim Bechatat. Littéralement, il n'y a pas littéralement, ça n'a pas de sens. Allez, j'essaye quand même. Chova, c'est les obligations, c'est-à-dire ce qu'on appelle les indéfinis que tu dois porter. Shnaim 2 dans des Khatat, qui se mélangent avec des Khatat. C'est dur, hein. J'ai beau préparer, mais. Non, c'est pas grave, c'est pas vrai. Maintenant, c'est simple. On est en train de parler qu'il y a deux fois plus de Chova que de Khatat. Chova, Shnaim, Bechatat. Il y a eu des Chovot, des Chova, qui se sont mélangés en quantité deux fois plus qu'il y a de Khatat. D'accord? C'est comme ça qu'il explique. Si vous avez le Mefaresh. Zechanor, enfin bref, peu importe, les Mishnayot avec tous les commentateurs, vous cherchez dans le long Tosotium Tov qui explique, il commence par apporter le Pshat du Barthénora qui réfute, il propose ensuite Venire Pirush Riva, il propose un deuxième extension de Riva qui propose quelque chose qui est pas mal, mais le problème c'est qu'il y a une incohérence entre la phrase Chova Shnaim Bechatat et Khatat Shnaim Bechova, comme si on utilise, le Tana il utilise la même chose pour en fait parler de deux mondes différents, donc c'était pas tellement réussi. Et à la fin, on a le psha du Rabbeinu Avraham. Je ne sais pas si c'est le Raïved, le Rahavad, ou si c'est un autre Rabbeinu Avraham, je ne sais pas, donc on va l'appeler Rabbeinu Avraham, qui propose quoi? Shakinin Stumot, il y a même des problèmes de mots, mais c'est pas grave, Shnaim Bechatat. Il y a deux fois plus de Stumot que de Khatat. C'est-à-dire, en fait, on explique maintenant concrètement, c'est que par exemple, on va prendre des chiffres pairs, d'accord? Parce que si on prend des chiffres impairs, ça complique un peu. C'est pas très grave, mais c'est plus compliqué à expliquer ensuite, à exprimer. Donc, on va prendre des chiffres pairs. Par exemple, on a 4 paires de stouma. Donc, on a 8 oiseaux qui se mélangent. On a donc 4 paires de stouma qui se mélangent avec. Il y a deux fois plus de stouma que de khatat. Donc, avec 4 khatat. D'accord? On a donc 8 qui se mélangent avec 4. Et à la fin, dans la réciproque, on aura 8 ratats qui vont se mélanger avec 4 stoumas. Donc pour le moment, on a 4 stoumas avec 4 ratats en fait. 4 paires de stoumas avec 4 individuels ratats. On a 8 oiseaux stoumas avec 4. Donc ça va nous faire que maintenant, on a 8 et 4, ça fait 12. Ok. Maintenant, quoi? On a la Mishnah qui me dit, on ne sait pas ce qu'il a fait le Kohen, il y a un problème. La Mishnah nous dit, ben, Mertsa Kacher, Mertsa Pasoul. La moitié elle est Kacher, la moitié elle est Pasoul. Ça veut dire que 6 oiseaux ils sont Kacher, 6 oiseaux ils sont Pasoul. On comprend pas ce qu'il y a écrit. C'est faux. Parce que en l'état, le Kohen devait venir apporter, comme ce que la Mishnah nous a introduit, il devait faire que 4 Khatat uniquement. Si maintenant on parle d'un Kohen qui a pris des initiatives, alors quelle initiative il a pris? S'il a pris l'initiative d'apporter 4 Ola et 8 Khatat, parce que concrètement, c'est ce qu'il a, puisqu'il a 4 ratats définis, donc il doit faire 4 en bas. Et il a 8 oiseaux indéfinis, donc il y a 4 ratats et 4 olas. Donc il y a 4 olas et 8 ratats. Si on parle d'un Kohen qui a pris au pif, il a pris 4 oiseaux, il est parti les faire en olas, et après les 8 oiseaux restants, il les a fait en ratats. Alors là, de nouveau, il n'y aura pas Martsa Kacher, Martsa Pasoul. Il y aura 4 Kacher et 4 Pasoul. Il y aura juste 4 Kacher finalement. Pourquoi? Faites le calcul tout seul. Il a pris les oiseaux, peut-être qu'il a tiré déjà les 4 ratates pour les faire en haut. Alors, donc il a déjà grillé 4 oiseaux. Après, il lui reste les 8 en bas, qui sont les 8 indéfinis, et il va faire les 8 en ratates. Mais il y en aura 4 cachers et 4 pasoul. Donc ça ne marche pas de me dire Mertsa cacher, Mertsa pasoul, la moitié cacher, la moitié pasoul. Donc il y a un grand problème dans cette Mishnah. Du coup, il propose le Rabbeinu Avraham, et le Gaon de Vilna, il explique ça. Le Gaon de Vilna, c'est le professionnel pour expliquer en quelques mots ce que les autres ils expliquent pendant des lignes. Parce qu'en fait, c'est des. D'accord? Bon, peu importe. Il a expliqué en quelques mots exactement le même pirouche. On parle d'un Kohen qui prend des initiatives. Mais alors, une initiative,
Il se dit, ah, il y a des oiseaux qui sont. Maintenant, il y en a 12. Bon, il y a un mélange, on va faire quoi? On va faire moitié-moitié, moitié en haut, moitié en bas. Donc il en prend 6 en haut et 6 en bas. Voilà la solution au problème de la Mishnah. Comme ça, ils vont interpréter la Mishnah. Et ça va nous faire qu'en fait, on va avoir la moitié kasher et la moitié pasoul. Ça veut dire, puisque maintenant, au final, tu as. Donc on a dit, on avait 8 indéfinis et 4 définis. Et 4 khatat. Donc quand tu as 4 khatat, ça fait déjà 4 khatat. Après 8 indéfinis, ça va me faire 4 khatat et 4 hola. Et bien il y aura 2 holot kasher et la moitié des holot kasher et la moitié des khatat qui seront kasher. C'est magique. Ça va me faire, il y avait 4 khatat ksherot et 2 holot ksherot. Et on illustre un petit peu mieux concrètement comment ça se passe. C'est vraiment pas compliqué en fait. Fallait juste avant de prendre le déclic, quoi. Regardez, ça se passe comme ça. Et là maintenant, il a pris. Donc il y avait 4 khatat et 8 indéfinis qui sont donc 4 khatat et 4. Là, tout se mélange, on a 12 oiseaux. Il coupe ça n'importe comment en deux. 6 qui va faire en haut là, et 6 qui va faire en bas en khatat. Alors, imaginez toujours, qu'est-ce qui se passe dans le meilleur des cas? Qu'est-ce qui se passera dans le pire des cas? Dans le meilleur des cas, il a fait 2 oiseaux. Et dans le meilleur des cas, c'est que parmi les 8 oiseaux, il a réussi à tirer 4 holas pour les faire en haut. Et à part ça, il a fait 2 khatat de toute façon en haut, qui sont mauvais. Et après, donc, il y aura pour le moment 4 holas en haut qui seront kshérim. Non, qu'est-ce que j'ai dit? 4 holas kshérim, 2 oiseaux grillés en haut. Il y avait 2 khatat, ils n'avaient rien à faire en haut. Et puis dans les 6 d'en bas, il y aura les 6 kashers qui seront tous ratates. Ça, c'est dans le meilleur des cas, il en aura fait 10, 4 et 6. Seulement, peut-être que c'est pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'en réalité, ce qu'il a pris en haut, il a pris le maximum de khatat en haut. Donc, il a pris pour moi les 4 khatat purs. Il les a fait en haut. Parmi les 6 qu'il a fait en haut, il en a grillé 4. Mais malgré tout, il y en aura 2 qui restera. Qui seront forcément au là, parce qu'ils viennent forcément du groupe des 8 indéfinis. Il vient du groupe des 8 indéfinis, et puis il en aura tiré 2, qu'il aura désigné Ola, et il va les faire en haut. Donc pour le moment, retenez que pour le moment, il a fait quoi qu'il arrive, il a fait au moins 2 Ola, chérie. On met ça de côté, puis maintenant on va passer en bas, il reste encore 6 oiseaux. Parmi les 6 oiseaux, imaginez, retournez dans tous les sens que vous voulez. Soit il a fait d'abord 6 ratates, comme on a dit, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais même s'il n'a pas eu de bol, il a mal fait. Eh bien, il a mal fait. Il lui restera parmi les 6 oiseaux. Il lui restera parmi les 6 oiseaux. Indéfini, ben il y en aura dedans 4 khatat et 2 hola. Donc 4 khatat, c'est parfait, tu les fais en bas, et 2 hola, tu les as mal fait. Donc il s'avère qu'il a maintenant, il aura réussi à faire 4 khatat et 2 hola. Donc il a fait 6 oiseaux chérim, parmi le mélange des 12, où il y avait dedans 8 khatat, il y en aura eu 4 khatat. Et il y avait dedans 4 holas, il aurait réussi à faire 2 holas. Mertsa kasher ou mertsa pasoul. Next. Vechatat shnaim bechova. Maintenant, même principe, mais à l'envers. C'est qu'il y avait un mélange, il y avait khatat shnaim bechova. Il y avait deux fois plus de khatat que de chova. Donc on va rester avec plus ou moins les chiffres, plus ou moins qu'on avait. On avait 8 oiseaux khatat qui se sont mélangés avec. Avec donc 4 chova qui sont en fait 2 et 2. D'accord? On garde toujours le même principe. Comment on lit les mots khatat shnaim bechova? Il y a des khatat en quantité double que 2 chova. Chova, quand je dis chova, ça veut dire qu'il y a un moitié khatat, moitié hola. Donc en chiffre brut, il y a 8 khatat qui se mélangent avec 4 chova, donc avec 2 paires. On rappelle de nouveau le principe, maintenant tu as 8 oiseaux khatat qui se mélangent avec 4 oiseaux indéfinis où il y a 2 khatat et 2 hola. Si tu n'es posé la question, on te dirait tu fais juste 2 khatat et c'est tout. Il n'y a plus rien à faire. Parce que c'est grillé. Maintenant le Kohen, de nouveau, Rastakabouya, on dit chez les Tunisiens. Une tête carrée, il dit allez, moi je fais la moitié. Il coupe ça en deux. Et il fait donc, il prend maintenant 8 et 4, ça nous fait 12. Il coupe ça en deux, il dit bon, je vais faire 6 hola et 6 khatat. Oula, il a fait des graves bêtises, le monsieur. D'abord, dans le pire des cas, c'est pas compliqué à comprendre. Venez, on va plutôt réfléchir maintenant dans le meilleur des cas. Qu'est-ce qu'il aura fait?
Dans le meilleur des cas, ce qu'il aura fait, c'est qu'il aura réussi finalement à faire, à tirer en fait que les quatre indéfinis, il aura réussi à faire deux khatat en haut et deux hola en bas. Deux hola en haut et deux khatat en bas. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Il aura eu, s'il a eu du bol au tirage, ouais, quand il a fait son trafic là, eh bien, il aura réussi à tirer parmi les six qu'il va porter en haut. Il y aura quand même deux des indéfinis qui sont passés là-haut qui seront là, les quatre grillés, et puis en passant en bas, il restera les deux khatat plus encore quatre khatat supplémentaires. Et là, il aura réussi à faire six khatat kshérot et deux olot kshérot. Ça, c'est si tout s'est bien passé, s'il a eu du bol, de la chance au tirage. Maintenant, s'il n'a pas eu de chance au tirage, alors là, il a fait des grandes bêtises. C'est qu'en fait, il aura fait parmi les 8 ratats, il aura fait 6 ratats en haut. Tout est grillé, ça ne sert plus à rien. Malgré tout, il lui reste encore 2 ratats, et il lui reste à part ça 4 indéfinis, qu'il y aura les 2 ratats qui seront kshérot, et 2 holot qui seront invalidés. D'accord? Donc en fait, il aura réussi à faire au mieux, 4 ratats. Ça correspond à quoi 4 ratats dans ce cas de figure? Ça correspond, le 4, c'est le nombre qui a été, qu'il y a, le nombre d'unités qu'il y avait dans les indéfinis. Aminyan shebechova kasher. Le nombre qu'il y a dans la chova, dans les indéfinis, c'est lui le nombre qui sera kasher. Utilisez la même chose avec, je dis, avec tous les chiffres pairs. Chiffre impair, ce sera un peu plus délicat, parce qu'il faudra trancher, est-ce qu'il en fera un en plus, en haut, un en bas. Ce sera plus ou moins le même principe, mais on ne va pas en compliquer davantage. Aminyan Shebechova, kasher, le nombre qu'il y a dans la chova, il sera kasher, mais attention, de quelle espèce? Uniquement des chataot, pas des holot. Ok. Baruch HaShem, on s'en est super bien sorti, je m'épate. Baruch HaShem, j'ai de la chance, j'ai le ciel qui m'aide après 3 heures sur mon siège, en espérant aller dormir. Et je continue maintenant la deuxième partie de la Mishnah avec, c'est exactement le même principe, mais à l'envers, où cette fois-ci c'est des holot définis qui se mélangent avec des nombres indéfinis. Mais c'est le même principe, et pour le plaisir, on le refait ensemble. Vechen hola shenit arva bechova. Il y a des holot, donc des oiseaux hola, qui se sont mélangés avec des chova. Tout d'abord, de nouveau. Même principe, pour le moment, on n'est pas encore parlé. On ne parle pas encore d'un Kohen qui prend des initiatives. On rapporte la halakha qu'on avait appris dans le premier Perek, Perek Aleph Mishnah Bet, je crois que c'était la même, les deux, ils étaient ensemble. Il y avait Ola, Shinitarva, Bechova. Si on a des oiseaux Ola qui se mélangent dans Bechova, eh bien, En Kasher Alaminen, Olot Shebechova. Tu ne pourras apporter de ce mélange que le nombre de Olot qu'il y avait dans les oiseaux indéfinis. Par exemple, si tu avais trois holas qui sont mélangés avec cinq paires d'oiseaux indéfinis, dans les cinq paires d'oiseaux, donc cinq ratats, cinq holas, de nouveau, tu ne pourras porter au total que cinq holas et pas plus. Même principe, un, de deux choses l'une, soit de lui, tu prends. Deux, trois, quatre, cinq. Le sixième, tu pourras plus décider ce qui sera hola ou ce qui sera ratat, parce que peut-être qu'il vient des définis qui s'est mélangé, parce qu'ils n'ont pas encore été tirés au sort. Mais peut-être qu'il est en train de devenir lui aussi des indéfinis, et que les cinq premiers étaient aussi indéfinis, donc quand tu les as désignés Ola, le sixième il devient forcément Khatat, et le sixième donc, que tu as tiré, tu ne pourras plus le faire ni Khatat ni Ola. Ça c'est la règle de la première phrase de la Mishnah, de cette deuxième partie. Maintenant, Chova, Shnaim, Be'ola, alors de nouveau, s'il y a des indéfinis en quantité double que le nombre de Holot mélangés, par exemple, il y a 4 paires d'indéfinis, donc 8, qui sont donc deux fois plus que 2 holas. 8 indéfinis qui se mélangent avec 4 holas. Alors la Mishnah m'enseigne bien, Mersa Kacher, Mersa Pasoul, la moitié sera Kacher, la moitié sera Pasoul, c'est-à-dire, puisque tu as maintenant au total, quand tu as 8 indéfinis, tu as 4 ratat et 4 holas. Quand tu as 4 holas, donc c'est 4 holas, ça fait au total qu'il y a dans ce mélange 8 holas et 4 ratat. Le Kohen prend des initiatives, il coupe ça en deux n'importe comment, et il fait la moitié en haut, la moitié en bas. Eh bien, dans le pire des cas, il y aura tout de même, dans toutes les configurations, il y aura malgré tout toujours la moitié du nombre des holas, donc 4, et la moitié du nombre des khatat, donc 2. Il y aura au moins 4 khatat et 4 et 2 holas, 4 holas et 2 khatat qui auront été faits en bon korban.
quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire merde, ça cache, la moitié sera cachée, la moitié sera pas. Par contre, si tu as Ola Shnaim Bechova, si tu as par contre le cas contraire maintenant, c'est qu'il y a deux fois plus de Ola qui se mélange en des indéfinis. Donc par exemple, tu avais 8 Ola, 8 oiseaux définis Ola qui se mélangent avec 4 oiseaux indéfinis, 2 ratat de Ola, qui sont indéfinis. Donc maintenant, tu as au total, bien sûr, bien évidemment, toujours 8 plus 2, ça fait 10. Et 2 Ola, ça fait. Ouais, d'accord, je ne me suis pas trompé. Ouais, non, c'est bon. Ola, Shnaim, Bechova. Donc il y a 8 Ola qui se mélangent avec 4 indéfinis. Alors maintenant. Ah, la Mishnah enseigne. Ouais, je me retrouve, c'est bon, tout va bien. Aminyan, Shebachova, Kacher. Le nombre d'oiseaux qu'il y a dans la quantité indéfinie sera le nombre d'oiseaux Kacher, mais qui sont que des Olot. Selon le même principe, allez, je le réillustre, faut pas être fainéant quand on étudie. Il faut aller jusqu'au bout. Et on repose encore une fois le cas. On avait 8 Ola qui se sont mélangés avec 4 indéfinis. Donc maintenant, on a en tout maintenant 10 Ola et 2 Khatat mélangés. Donc il y a 8, définis, 8 Ola définis. Maintenant, le Kohen, il coupe ça en deux, il fait 6 et 6. Venez, on va procéder par élimination. Dans le meilleur des cas, c'est qu'il aura réussi. Le meilleur des cas, c'est qu'il aura réussi en fait à faire, donc il a coupé ça en deux, 6 et 6, il aura réussi en fait finalement à faire au moins 4 oiseaux. Parmi les 4 oiseaux indéfinis, 2 Ola en haut et 2 Khatat en bas, plus encore parmi les oiseaux définis, il aura fait 4 oiseaux en haut. Donc ça c'est dans, s'il a eu la chance au tirage, il a réussi à faire bon 8 oiseaux parfaits. Il aura fait 4 Ola du groupe des Ola définis, plus encore deux des indéfinis, pour ensuite avoir deux définis en bas. Bon, il aurait pu faire aussi directement 6 en haut, et puis les 4 indéfinis en bas, en tout cas, il aura eu au total 6 en haut, dans le meilleur des cas, 6 Ola bien fait, et au moins 2 Khatat en bas, donc il aura eu 8 oiseaux. Ça, c'est s'il a eu de la chance au tirage. S'il n'a pas eu de chance au tirage, alors il a fait quoi? Eh bien, il aura fait que, quoi qu'il arrive, il aura fait qu'il a fait en fait passer tous les Ola en bas. Donc en fait, parmi les 8, il en a grillé 6. Il en reste 2 Ola qui sont en haut, qui sont des oiseaux cachers. Et parmi les 4 oiseaux restants, il avait maintenant, donc c'était les 4 indéfinis, 2 Khatat et 2 Ola. Donc les 2 Ola, ils sont arrivés à bon port. Il s'avère qu'il a maintenant 4 Ola qu'il aura réussi à bien faire. Bah, au Hachem, on a réussi. Donc c'est ce qu'il a écrit. Aminyan Shebechova Kacher. Le nombre d'oiseaux des mélanges. Le nombre d'unités chez les indéfinis, ce sera lui qui sera caché, mais bien évidemment que en Ola. Il aura fait 4 Ola au total. Baruch Hashem, c'est tout pour aujourd'hui. Et voilà, je vous souhaite une journée pleine de la Slachakol, tout cela. Demain, le Sioum, Bezant Hashem.